d'amour pour l'argent de mes enfants. Que mes enfants ont cotisé pour préparer à manger. Ils peuvent jouer au Djambo. Le tout, si. Si Canal 2 ne nous voit pas, LTM va nous voir. Donne ton 500. Hein? Moi, j'aime pas. Moi, mon 500, c'est pour acheter mon euro. Voilà mon 750. Olori, ne fais pas que mes nez, mon. Tu m'as euro, tu as fait que les autres vont manger quoi? Donc, tu trouves que moi, je suis folle. Que je passe devant chercher pour venir vous nourrir, vous tous. Tu as ton 500, tu m'as euro. Dans ma salle, si vite. Tu me fais passer, casse ça. Dans quoi? M'apprends. Tu vois comment tu es chiche? Vous, les filles, tu en vous même comment? Vous avez pris le pied de votre pain d'hormon ici dedans. Donc, la semence de Tchang, ce n'est que la chicheté. Ah, ma pas aussi aux machines. Ça va, non? On a compris. Ma maman avait mis le riz ce matin. Ta grand-mère. Le fils fait un feuille. Prends ça. Moi, je veux pas prendre. Prends l'argent là-bas, tu me fais le marché. Mais je ne veux pas prendre la tif alors. Oui, c'est pas comme moi. C'est tant que tu ne parles pas avec ta petite soeur. C'est pour porter les pieds, tu es fort. Cache le monde à les 500, les arachides de 500. On fait le ressource d'arachide. Regarde comment vous me faites même bégayer. Ouais, j'espère qu'il va manger un gros poisson. Hein, parce que... Quel poisson tu en as combien? Tu connais le prix du kilo du poisson, tu connais? Avec les 750 ans, si il m'assoit là au poisson brisé, il mange bien, il sait, il boit de l'eau, il rentre, il suis plein. On va acheter le lièvre. Maman, tu fais comment avec 250 ans? Oh, comment ramasser les sels là-bas, là tu laves? On a mangé le riz ce soir avec le poisson. Te voilà tout. Tu ne me tapes même pas. Tu as 5 minutes pour aller acheter les arachides de Mungala pour venir ici avec. Je ne peux pas, je ne peux pas à la réunion. Honoré. Attends, tu parles. Maman, il faut maintenant comment? J'ai dit que tu achètes le Mungala de 500. Avec les arachides de 500, tu ne les peux pas avant de partir à la réunion. Ton bon mambou, maman, 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 maman. Moi, il part dedans, mon pâté. Tu ne sais pas que toi-même, tu peux nourrir toute une famille. Toi-même, là, tu fais quoi? Tu savais que maman même besoin sur toi. Toi, tu es un pays. Un chien de l'arbre comme ça. Tu sais à quoi il sert à la maison. C'est mon. Te coiffer, te couper les yeux. Alors, comme marron. Papa, moi-même, j'ai une famille à nourrir dans la position. Ta mère pauvre. Toi-même, tu es pauvre. Tu fréquentes. Tu ah, quand il n'y a pas, tu fais. Tu vas me taper, non? Tape-moi. Tape-moi. Tue ton père. Tape-moi. Dans moi, tu prends quoi aux enfants, là? Tu me tapes. Tape-moi! Mais c'est quoi avec les enfants? Il veut me taper! C'est pourquoi tu cries sur les enfants! Quand je parle, il veut comme ça là! Il veut le serpent! Tape-moi! Tape-moi! Faut jamais que tu fasses l'erreur là! Tape-moi! Il veut comme ça chercher la ma chance de mettre sur toi! Faut jamais faire l'erreur là! Quand il parle même, ne reste pas devant lui! Eh! Hey, toi, tu ne pas devant moi! C'est quand tu cherches, tu vas trouver! Vous êtes foiré comme quoi? Quand le père est foiré, vous êtes foiré! Toi, tu es foiré pourquoi? Toi, tu es foiré pourquoi? Toi qui es censé être chef de famille, tu es foiré pourquoi? Moi qui pousse, on a volé mon poste, tu m'as donné l'autre. On a volé, c'est fini au marché. On a volé, tu m'as donné l'autre. Tu peux pas payer l'autre. On aurait marché, mais tu peux me payer les condiments. Bon, les habits, c'est mouf. Lave-moi ça. Comment vous n'en finalement fait comment? Vous m'embrouillez, Il m'a fait le marché où je lave les habits. Elle est en train d'aller au marché, tu te donnes les habits qu'elle a. Donne-moi le sac. Donne-moi ça. Tu fais quoi avec le sac? Je vais aller me tirer. T'es tiré quoi? T'es ici, ici à la maison, vous donnez les nerfs! Vous donnez les nerfs! Attends, tu veux faire quoi? De, tu voulais acheter quoi au marché? Non, acheter des 500. Donnez quoi? 500. Depuis quand tu peux marcher? Je veux mourir à la maison. Parce que je suis foiré. Je ne peux pas me tirer pour voir le dehors. Je ne peux pas prendre de l'air. Donc moi, tu ne peux même pas aller faire le pambé. Pour venir nourrir ta famille. Ou le pambé de Zoro, les gens, les reins. Tu peux pas aller creuser les fosses sceptiques comme tes égaux sont en train de faire là. Donc moi je peux creuser les fosses sceptiques. Toi-même tu ne peux pas sortir. Tu fais même aussi les coiffures ou les pédicules magnitudes. Tu ne peux pas faire ça. Tu me vois seulement. Donc moi, je veux me tirer. On achète quoi et quoi? C'est d'abord pour préparer. 1000 francs ça va faire quoi? 1000 francs ça va préparer quoi? Maman, on achète le moula de 500, les arachides de 500. Il y a le riz dedans, on va préparer avec les condiments. 1000 francs, ah ok, donne-moi le sort. Quand elle est là, donc, moi, me voici. Comme une femme, je n'ai pas fait le marché. Qui t'a envoyé faire le marché? Je n'ai pas fait le marché, comme une femme. Qui t'a envoyé faire le marché? C'est parce que je veux seulement me tirer. Comme tu parles là, marche vite, je ne vais pas parler. Non, ne me conditionne pas, ne pas toi. Donne-moi mon
C'est pas toi, c'est pas toi qui m'as dit d'aller faire le marché. Donne-moi. Je fais ça de mon propre grillon. Ou c'est gris, ou c'est qui. Je fais ça de ma propre volonté. C'est quoi? Une famille de ouf. Ma, il n'y a pas le savon pour laver ses habits. Tu peux pas lui dire qu'il n'y a pas le savon. Ne fais pas déjà ma colère sur toi. Ma, il y a mon habit sur ça. Hé! Latifa! Latifa! Maman! Melon, tu veux là-bas au feu? J'ai fini de trier le riz. Je sais pas si toutes les mamans souffrent dans les maisons comme moi-ci. Tu t'arranges même à préparer pour les grands enfants comme ça là. Chacune veut seulement te sortir ses piches. Pour mettre l'eau du riz au feu, tu boudes. Ma. Oui. Le gaz est fini. Le gaz est fini. Le gaz que j'ai acheté il y a 2 semaines, c'est fini. C'est fini. Vous ne savez pas préparer quoi sur ça, le lion? On avait fait le coquille, le cojou sur quoi? On n'a pas fait sur ça. Donc l'autre jour, elle demandait à Honorine de faire le coquille. Elle a fait ça sur le gaz. Oui, elle a fait sur le gaz. Merde. Ma vie. Ma vie. Honorine! Honorine! Mais là, je t'appelle, tu ne réponds pas. Moi, je n'ai pas encore fini de faire la lessive de papa, tu m'appelles encore. On me dit que le gaz est fini, ma. Ah, si c'est fini, c'est que c'est fini, non? Si c'est fini, c'est que c'est fini. C'est vrai que normal, non? Si c'est fini, c'est que c'est fini. L'acheteuse va continuer à acheter. Donc, le cookie que tu as préparé l'autre jour, là, c'est sur le gaz que tu as préparé, Honoré. Honoré, tu prépares le cookie sur le gaz. Avec plein de bois ici au magasin. Tu peux pas le coquille sur le gaz. Ma, c'est... Tu n'as rien à dire. C'est fini, non? Retour aux sources. On rentre au feu de bois. 2 mois dans la maison, c'est sans gaz. Vous allez un peu... Il faut que vous souffrez un peu. Vous, les enfants qui êtes nés avec la cuillère en or dans la bouche, là. Vous ne comprenez pas qu'il y a des enfants ailleurs qui souffrent. Ton père avait mon argent et mes condiments. Moi je sais, n'est-ce pas que tu as refait la lessive? Ah. Wilfried! Wilfried! Allez me chercher votre père, pardon. Hey. Mais il fait soleil, non? Attendons, le riz, ne fais pas que quelque chose passe dans ma tête. Hein. Ne fais pas, je verse le riz là-bas. Oh, oh, les poules commencent à picorer ça. Hein. Allez, mais je vais te faire. Depuis 3 ans, le temps qu'il est parti payer le riz et le munga. Attends, on le cherche qu'il est perdu. Jésus, c'est un enfant, ma mère. Il arrive. Ah bon, hein? Tu me parles, tu mets même les mains dans les poches. Tu me parles, tu parles à ton égal. Tu parles à ton épouse. Tu mets les mains dans les poches. Je parle à la réunion dans une lettre. Allez, me le chercher rapidement. Pourquoi est parti où? Allez fouiller tous les magasins, on va voir les vivres frais là. Je suis fatigué, ma chérie. La petite façon. Non, on a du bouton, on a du nous. Oh, je suis pas avec moi. Viens, on va le faire de bois ici. Rapidement. Maman, elle met le feu de bois. Est-ce qu'elle te demande? Maman, elle met le feu de bois. Viens, m'allumer le feu de bois ici. Point final. Marc, elle a cherché papa, elle va allumer le feu. Tu ne me dis pas ce que tu as fait. Va me chercher ton père. J'ai mal aux yeux, la fumée va me déranger. Tu auras mal au nez. Couvre-toi là. Tu m'allumes le feu de bois. Oh! Allo quoi? Va la hache! En plus, il y a une de parti pour dire que c'est moi qui prends dans le tu vas prendre! Tu vas prendre! Tu vas prendre! Dépêche-toi! Tu vas prendre le bois! 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 Maman, monsieur ton mari assis là-bas au bar en train de boire ses bières. Il est quel au bar? Quel bar? Tu as fait des 10 kilos au kiosque. Il est au kiosque là-bas en train de jouer une jambe. Attends,
Mais faut que tu es sérieux que tu l'as vu au kiosque le jour en Djambo. Il est au kiosque ma tête, je vais te manger pour gagner quoi. Et vous n'avez pas remis le munga? Rien, même le sari n'avait même. Maman, ça veut dire que remets le papier. Moi, non, on ne peut pas. Paresseuse. Donc, dans mon pas l'argent de mes enfants, que mes enfants ont cotisé pour préparer à manger, ils peuvent jouer au Djambo. Le tout, si. Si Canal 2 ne nous voit pas, LTM va nous voir. Okay. Le plus, c'est ma mère 500 et maté. Maman, tu te vois comment? Attends. Attends.